Terrence Malick notamment, enfin, c'est des très grands noms du cinéma. C'est vrai, le champ des salles va être élargi à quand et à combien? Ça, il faut demander à... C'est vraiment une immense joie. Je parle pour moi, mais je crois que je parle pour tout le monde aussi. On a l'impression d'être dans le... C'est quand même la cérémonie qui est la plus prestigieuse de pour les gens qui aiment le cinéma. Donc c'est absolument incroyable d'être là. C'est vraiment un privilège, un honneur. Tout ça ressemble à des clichés, mais c'est vraiment, moi personnellement, ce que je ressens. Tout à fait sincèrement. Ouais. Au tout début, quand je parlais de faire un film muet, il y a des gens qui disaient ah oui, tu vas faire un film sourd muet. Et en fait, c'était un film qui était vécu comme handicapé, comme machin, vraiment le vilain petit canard, quoi. Donc effectivement, et là maintenant, on est tout beau, tout hollywoodien et tout ça. Donc effectivement, ouais, il y a ce côté conte de fées. Ouais. Je suis très fière, je me sens chanceuse de partager sa vie, d'avoir été dans ce film, d'avoir rencontré Thomas, d'être avec Jean une nouvelle fois. Voilà, c'est vraiment une aventure incroyable et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas pouvoir vivre un jour. Quand je regardais Marion Cotillard il y a quoi, 3 ans, même pas, on se disait mais c'est un truc de fou, c'est un truc qui arrive jamais, c'est une fois dans 100 ans et puis tout d'un coup on vit ça tous ensemble, c'est une histoire d'un groupe vraiment ce film. Oui, j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman j'ai été nominée aux Oscars, on se rappelle. Oui. Merci. On y va? S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous regardez.